Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales avec Galden et Damned. Comment ça va les gars? Salut tout le Ça va monde. bien, ça va bien. Alors attendez, parce que je voulais sauvegarder avant qu'on lance le truc. Quelqu'un a lancé. Ok, quelqu'un a lancé. Non. On peut annuler. Braconnier. Annuler. Ah, maintenant on voit la compétence du chef par contre. C'est cool ça. J'avais annulé pour que tu puisses Non mais sauvegarder. j'ai sauvegardé, j'avais la pop-up de combat qui est apparue derrière le menu en fait. C'était assez bizarre. Force dextérité constitution, plus 20% ne peut pas être capturé. Ok. Alors, c'est un chef ou un élite? Je C'est un chef. pense que c'est un chef, ouais. J'ai vu qu'il y avait des élites aussi. Il y a du monde encore. Ouais, et du coup c'était braconnier, donc le chef est un Hein. braconnier, il va falloir qu'on l'engage de toute façon pour son arc, mais C'est surtout qu'ils sont niveau 4, quoi. après on peut aller se faire le truc des bûcherons avant, hein. Il doit pas Ça être très reviendra au loin. même, je pense. Puisque en fait, le niveau des combats s'adapte au niveau de l'équipe. Tu Donc, crois? Ouais, on est même pas niveau 4, je suis niveau 2 et niveau 3 quoi. c'est pas faux. Povardarin, il est Ouais, niveau 3, mais quoi. moi, je suis niveau 4. Ça doit être ça. Ah oui, ça se met peut-être sur le plus Moi haut. aussi, je suis niveau 4 et niveau 3. On est 4 et quand 3. même globalement en moyenne niveau 3, quoi. Ouais. Bon, ouais, allez, allons-y. Allez, tout. C'est bon, hein. Ouais, on est des PGM. On va se mettre en boule dans un coin. Là où ça serait chiant, c'est s'il faut lancer l'assaut sur la tour. Là, ça peut être gênant. Non, non, il n'y a pas de siège, on n'est Y a pas à pas de siège. Warhammer. Calmez-vous, les Total Hein, ça suffit un peu. Hein. Warhammer. J'en ai marre de faire vos vignettes. Ouais, c'est ça, exactement, ça suffit. Ah, on va pouvoir mettre une lance dans le cul d'un truand, ça c'est cool. Par contre, je vois pas le chef. Il est tout à Ah, si, gauche. il est Il a la sa petite petite étoile, étoile, ouais, ouais. ok. 36 PV. Et donc maintenant, hein, comme je le disais, il va falloir le tuer si on veut annuler son bonus, quoi. Par contre, peut-être que les Mais sauf bonus que sont un peu moins vénères, parce que je me souviens pas avoir les jamais vu autres, ce ils les ont bonus. pas. Les autres, ils les ont pas. Ah Ils oui, ont pas alors de c'est peut-être chapeau. bien un élite, effectivement, hein. Je pense que c'est un élite, du coup. Ça doit être Ouais, un élite, ça ouais. doit être un élite, ouais. Bon. Parce Alors, que moi, j'avais un doute par dans le rapport aux truand élites qui sur ma joue là, 12 compétence. 15 de Ouais, mais dégâts et un poison. Wow. il fait 11 à 19 à lui tout seul. Hein, quand il tire, donc. Et en plus il repousse. Ouais, bah de toute façon, il va falloir l'engager et à côté, il y a Ouais, les c'est truands pareil, qui hein, piquent le cul. ça va être Malvinette qui va s'en charger hein, sur. Ouais, je sais pas, enfin tu me diras, le truand, tu sais le gérer là? Il va te découper en deux quoi. Ah non, c'est pas le truand. Ouais, mais le truand qui est à côté. Malvinette, il faut qu'elle gère le braconnier. Bah, les autres, il faut les. Il y a deux Bah, ou truands alors en sinon, bas. je chope l'autre braconnier, mais. Attends, je regarde parce que du coup, il y a deux truands en bas qui vont faire un max de dégâts avec un maraudeur. Le maraudeur qui fait des coups critiques contre les unités empoisonnées. Oh, le combo de l'enfer. Sinon, on se fout tous autour de Dardarine, là. Enfin, globalement au nord. Enfin, ouais, on peut pas trop. Faut parler le nord de. Ouais, Bah le nord ouais, d'Ardarine. on peut éviter, je pense, la vague du bas, au moins leur premier move. Mais Ouais. ils ont un très bon combo, hein, parce que en plus ils ont la hache à deux mains, ce qui fait que c'est celle qui attaque qui a pas besoin d'attendre, donc elle attaque direct, en zone. Donc on va être obligé de la bouffer. Coup critique sur les unités empoisonnées que le truand va nous foutre partout. Et en plus sur un critique, il nous repousse, il nous désengage. Ah putain. Ça va être sympa. C'est Ça va clair. être sympa. Ça devait pas être plus Ouais. facile. Du Non, coup, plus difficile. Plus difficile, ouais. peut-être que plutôt se focus sur le petit groupe du bas. Et puis on laisse tomber Ouais, les élites parce qu'il y a beaucoup de place pour se mettre en bas, hein. le problème, c'est que c'est des archers. Donc ils vont nous défoncer de loin, si tu veux. Ouais, mais ils ont pas. Ouais, ils ont quand même une bonne portée, ouais, c'est vrai. Si, Ah, fait chier. dont l'élite, il fait quand même 11 à 19 quand il tire, quoi. Le Ouais, bah, tu non-élite, sais, il chaque fait truand même pas fait 12 plein. à 15, hein, donc, et met un poison, quoi. Donc, ça va piquer de toute façon, hein. Ah, sinon, je tank en haut avec le Signe et Quack, et puis vous essayez de vous faire le petit groupe en bas. Il faut choper. Non, sinon il faut choper. Il y en a un qui chope le truand, l'autre qui chope le maraudeur. Malvinette chope le braconnier élite. Et puis il faut défoncer. Et Damnette chope le braconnier non élite. Qui vous voulez, moi? Et puis. Alors attends, parce Ou que alors. le problème c'est qu'il y Attends. a un piège là, hein, donc faut faire gaffe. Ouais, faut faire gaffe. Mais je pense que si on met Malice ici, il y a la moyen de coller une flèche peut-être assez facilement sans marcher sur le piège. Ah ouais.
C'est oui, qui... Oui, oui. Qui est-ce qui risque pas de se faire prendre de flèche de la part de Malice? On risque tous de se prendre une flèche de la part de Malice, je crois. Non, il y en a pas un qui a chopé le buff. C'est pas le signe qui a. Il a pas un truc qui fait que. Ah oui, il y avait quelqu'un qui avait un truc, t'as raison, je crois. Amateur de bouclier, résilient, glorieux, glouton, peau dure, costaud, non. Non, c'était peut-être Chobiti. Peut-être Chobiti, ouais. Non, c'est moi, Damned, les yeux dans le dos. Ah. Ah oui, c'est pour ça qu'ils s'entendent pas très bien. Bah, bizarrement, je l'ai développé après que m'être pris une flèche dans le cul. Alors, par contre, là, il faut... Ouais, ma vignette, il faut que je me mette là pour aller choper rapidement le... Alors, du le coup... En plus... Ah, oh, putain... Mets-toi là, Damned, oh, là, plutôt. Là, 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 quel drame. Nous, on a... deux attaques à faire avant que les que trois des persos du petit groupe avec les archers puissent jouer. Ouais, bah de toute façon du coup il y en aura forcément un qui sera libre. Ouais, puis surtout le truand de toute façon il va aller engager. Il y a une place un peu plus près Gelden. Mais ça peut on peut l'utiliser hein, le truand il va aller m'engager moi. Ce qui veut dire que genre Malvinel, si tu te mets vraiment loin, il y a des chances qu'ils viennent me chercher moi quand même. Genre si tu te mets par là. Tu peux te mettre par là, ouais, tu peux te mettre par là. Vraiment ouais. Très en dessous quoi. Et du coup le soudain, il y a des chances qu'il aille chercher Quack. Bon, ouais, on verra. Donc je commence avec Malvinette. D'ailleurs je vais plutôt mettre le signe. Ouais, commence avec Malvinette, mets-toi vraiment en dessous du braconnier. Ça va se jouer à un poil de cul d'optimisation de l'IA. Oh, moyen. À mon avis, ouais, déjà, ça bloque lui, c'est déjà très bien. À mon avis, il va aller sur moi. Ouais. Ouais. Aïe. Aïe. En plus, il s'éloigne, putain. Ah ouais. Ah, il est chaud, lui. Oh la vache. Ah ouais, puis alors, du coup, là, il est loin. Ah, je peux quand même le choper. Soit je le chope. Alors, attends. Quack. Il est où? Il est là. Donc là, de toute façon, c'est Damned, tu dois aller chercher le braconnier. Ouais. Ouais. Le oui, à vos ordres. Il est bien ce garçon, il est docile. C'est ça de pas boire de café. Ouais, c'est vrai. Attendez, je... Hop. C'est, voilà. C'est où la compétence d'attaque? C'est ça. Ah, mais non, pas de... Elle est où la touche? Non, pas de café, j'ai même pas de jus d'orange. C'est déprime. Merde. Ah, et puis il fait 3 avec son coup de poing quand même. Hein. Ah, yo. Ah, et puis c'est le problème, hein, parce que plus on engage, bah du coup on focus pas les dégâts quoi. Bah oui. Alors là, du coup, le truand, eh ben il va aller mettre une tatane. Hein. Oh, ils vont tellement nous défoncer les 3 du bas. Bon, au moins le mec à la hache, il peut toucher personne. Heureusement, parce que sinon le sanglier il prenait cher. Je pense que le sanglier il va prendre cher. Je pense aussi. J'anticipe un décès du sanglier là. Bah après, écoute, hein, voilà. Du coup. Alors, il faudrait que j'aille engager avec le signe peut-être avant qu'il soit trop loin. Tu peux toucher les deux là, Gaelden, juste pour voir. Alors, moi je peux choper les deux truands au sud. Ah bah, c'est chaud hein, parce que tu vas te faire focus comme un connard. Et je vais me faire défoncer derrière quoi. Ouais. Mais non. Sinon je peux pas en toucher deux là. Ok, donc du coup j'irai. Faut essayer d'avoiner le petit groupe là, vraiment au max. Ouais, faut essayer de. Donc ça veut dire que le truand il a déjà joué à la rigueur, pour l'instant on n'est pas obligé de l'engager. Je peux essayer de choper le maraudeur, comme lui il n'a pas encore joué. Ouais, puis putain, aller... il va être chiant lui. Ouais, non, je peux quoi qu'il va se prendre le piège là, non? Non, normalement il peut passer par là. D'accord, ok. Normalement. Mais par contre, le seul qui peut atteindre c'est le maraudeur, donc faut que ça soit lui qui engage le maraudeur. Bah, go. Du coup, je vais peut-être aller focus le braconnier. On va y aller avec Ardarin là et le signe sur le braconnier pour essayer de lui faire mal. Ouais, ok. En plus, ah, mais je le force à m'engager avec ma nouvelle hache, c'est vrai, tiens. Du coup, ça va libérer Damned. Alors, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je libère Malvinette du coup? Oui, peut-être. Bon, on peut-être. S'en bat les couilles, vraiment. Bah, elle pourra faire des dégâts de zone, elle. Ça peut être. Ouais, c'est pour ça. Oui, oui, je pense que c'est plus intéressant. Allez. Puis même beaucoup plus DPS que moi, donc.
Plus de liberté, c'est mieux. Je sais pas si ça fonctionne par contre. Ok, si ça fonctionne. Si. Nickel. Et du coup, le reste, la riposte, c'est pas très utile pour l'instant. Quand on sera plus engagé, ouais, bon bah du coup. Hop. Ah, par contre, juste. Il est apporté. On va prendre en compte dans le calcul. Si vous avez vraiment des personnages que vous voulez engager là. Oula, ouf. Ah, le sanglier va se faire dépouiller. Le sanglier, il est mort. Le sanglier, ouais. Il est mort. Si vous voulez faire que je fasse du DPS sur le maraudeur, faut peut-être que je le fasse avant que vous l'engagiez. Avec Malice, tu veux dire? Mais non. Bah non, ouais, tant pis. Non, de toute façon, je vais aller plus ou moins dans son dos, hein, donc. Ouais, mets-toi en position que je puisse lui tirer dessus de face. Alors, je peux aller à 10 mètres. Maintenant, normalement, si je vais là. Mais honnêtement, là, c'est bon. Après, si tu peux. Ici, voilà, ça passe. Je me prends pas le piège. Ah. Ouais, mais par contre, du coup. Si moi je tire, ça le désengagera. Ouais, mais j'avais pas le choix. J'avais 10 mètres de mouvement, donc pour éviter le piège. Okay. À la limite, c'est pas très très grave parce que là, il va jouer. Ouais, il va jouer. Après, si tu le désengages, c'est pas trop grave. Ouais. Okay. Et même à la limite. Oh, ce qui serait... Attends, non, même ce qui serait bien, ce serait que tu le rapproches du truand. Que je puisse. Ah oui, c'est vrai que si tu te mets par là et que tu le rapproches du truand, Galdan, il peut mettre un coup de zone qui peut faire le game, ouais. Alors, je termine le tour déjà. On va voir si le sanglier survit. Oh, ah non mais le, il aura fait son taf hein. Oh, bah. Oh. Saleté, putain. Je savais qu'il allait faire un truc comme ça. Alors du coup par contre faut essayer d'éviter le piège, bah vas-y en triangle. Mais si on fait déjà un premier mouvement, ça casse pas le deuxième? Bah ça t'enlève ta distance de ta distance totale, mais tu peux continuer de bouger. C'est ce que j'ai fait là moi j'ai avancé comme ça et après j'ai. Non, mais c'est en ligne. Bon. Ah, si je me mets derrière toi, tu crois que le tir y passe? Non, non, si, passe, si tu te mets derrière moi, collé à moi, et le tir y passe. Ça, c'est fait pour. C'était 100% de chance de pas le toucher. Mm. Ok, tu repars dessus et puis en fait. On tente ça. Voilà. Et bah voilà, nickel. Voilà. Allez, sanglier, bats-toi pour ta vie. Allez, il va crever du poison. Ouais, non, même pas. Il va tenir encore une attaque, c'est pas mal. Bon, bah, du coup, Galdan, tu peux passer derrière eux à la limite pour qu'ils gênent leurs potes ou pas? T'as pas assez. C'est-à-dire, ah, là, peut-être, ouais, peut-être là, ouais. Non, mais là, j'en touche qu'un seul. Ah, dommage. Ouais, non, faut toucher. Là. Puis je te dirais bien que claque tous les points, mais c'est pas comme s'il y en avait des dizaines, quoi. Bah, l'avantage, c'est que là, j'en ai chopé un, hein, donc. Ouais, ça, puis c'est bien. On en a deux d'avance, hein, ça peut se prendre. Hein. Mais faut y aller, ouais. Là, tu le finis pas, là, avec ton courroux, là. Non, je peux même pas le jouer. Non, tant pis. Bah, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Par contre, je pourrais. Limite, je commence avec lui. Ouais, on commence au prochain tour et on peut peut-être s'en faire deux dès le début, quoi. Ouais, ça se prend. Allez, Arda, on compte sur toi. Tu risques pas de mourir ce tour-ci, contrairement à ton pote sanglier. Ouais, ah, le sanglier, je l'ai mis là, je savais qu'il allait crever. Hein. Donc, là, du coup, Galdan commence et t'avoine. C'est braconnier truand, donc. Hop. Bim. Bah, le coup empoisonné, hein, je pense, hein. Te fais pas chier. Le coup empoisonné, je termine avec le. S'il y a besoin, tu cales un courroux. Ouais. Courroux. Voilà, oh, oui. Ça c'est beau. Débloquer le trait colosse. Bien joué. Je sais pas ce que ça fait. Colosse, force et dextérité augmentée de 5% si équipé d'une arme à deux mains. Ouhouhou. Pas mal. Eh bah voilà. C'est qui le patron, quoi. Et du coup, t'as pas un courroux à mettre? Non, ils ont pas assez de dégâts, les non, autres. Non, j'ai pas perdu. Mais par contre, tu peux aller ouais, cerner le braconnier. Ouais. C'est qui? C'est le signe qui me gêne. Allez, bim. Hop. Bien, ça. Bon, il faudrait qu'on dégage éventuellement Dame Ned. Comme ça, il pourrait aller soigner, enlever le poison. Ouais, je pourrais engager le braconnier en le forçant à s'engager avec ma compétence et du coup derrière d'amener des libres pour les soigner. Mais le truand va aller mettre une tatane à Malice là, je pense. Ah, peut-être sur le sanglier. Ouais, après, je peux tirer sur le truand avant pour le faire reculer, mais bon, je pense qu'il a du mouvement. Je te confirme qu'il a du mouvement. Oh là, oui. Ouais, mais il y a des chances qu'il aille finir le sanglier quand même. Hein. Sinon, je cale un barrage. Je pense que ça l'arrête. Non, ça arrête pas le barrage, c'est le mur de lance qui arrête. Ouais. Le barrage, ça met pas fin au mouvement. D'accord, bon, ça sert à rien du coup.
Non, mais je pense qu'il y a quand même de bonnes chances qu'il aille taper le sanglier. Et derrière, Malice peut se casser. Oui, de toute façon, tu peux tirer et te casser ensuite. Ouais, Oui, et ben on va faire complètement. ça. Allez, bisous. Ouh, joli le 21. Ouais. Ouais, j'avoue que là, il fait mal, hein. Et puis elle va aller par là, voilà. Hop là. Ça suffit. Et à vous, les Ouais, studios. voilà. Eh ben au moins. Adieu. Rip le C'est fait. sanglier. Bah, il arrive, Ah mais putain, voilà, il y en il a passe. combien de Oh, haches là? mais sérieux? C'est insupportable. Bon, je vais aggro le braconnier comme ça. Au moins, ça libère Damned. En plus, il est encerclé. Donc, du coup, provocation. Bon, l'affaiblissement, c'est bonus. Et là, on a plein d'alliés. Le Signe il va pouvoir faire son petit cri de guerre là, ça va nous blinder de points. Il en faut 3, hein. De toute façon, c'est le maximum. C'est ce maximum ces 3? Bah oui, puisque Utilisable une fois par on a... combat. Non, là, Non, mais il y a 4 c'est qu'on en a personnes. 7. Notre Ah maximum, c'est oui, notre 7 points. maximum de points. Bah oui, mais ça veut dire qu'on peut se permettre de les claquer. Genre là, Damned il va pouvoir aller enlever du poison à quelqu'un et peut-être Malvinette qui est le plus dans le mal. Est-ce que ça vaut le coup que j'encourage pour gagner riposte? Ah Non, non, parce c'est qu'il y a protection que je donne. Ah mais tous les alliés dans la zone gagnent protection pendant 2 rounds. Ah bah oui. Ah bah oui, là, il y a tout le monde. 50 fois oui quoi. 2 tours de Ah ouais. protection, c'est hyper fort. Enfin, faut le caler, mais c'est hyper fort. Disons qu'il faut avoir la chance d'avoir tout le monde bien entassé, ce qui est le cas. Ouais, mais tu vois, même s'il y a que 2-3 personnes, normalement protection c'est l'attaque suivante. Là, c'est pendant 2 tours. Là, il m'a tapé, Alors, ça a même pas disparu quoi. le maraudeur ne peut pas atteindre quiconque. Par contre, le truand peut atteindre quelqu'un. Et je pense que ça serait pas mal. Alors, peut-être que Damned devrait soigner après qu'il ait joué, du coup. Ouais, mais il joue quand? Ah, si, il joue tout de suite. Parce qu'il va mettre une deuxième stack de poison à quelqu'un, il y a des bonnes chances. Sans doute sur Gaeldon, qui est à mon avis le plus proche. Ouais. Mais il peut avoir envie de tomber Malvinette parce que c'est celle qui a le moins Mais de je peux pas vie. venir jusqu'à. Il y a trop de monde, je peux pas venir jusqu'à Gaeldon. Alors, moi, il y a moyen que je termine le braconnier, mais ça utilisera 2 points de. 2 points de bravoure. Et Donc, moi je gagne quand je termine mon tour adjacent à un allié. Ouais. sinon, Donc, il le faut que j'ai le signe. point à utiliser avant de le regagner en fait. Le signe, tu peux faire motivation des troupes là? Je peux, ouais. Bah fais ça. Et du coup, je crame mon tour. Hein. Du coup, le truand va venir. Ouais, c'est Non, pas mais de très toute grave. façon, il viendra. De toute façon, il viendra. Tu peux. Ah! Ah bah oui, bah oui, du coup, oui. Ça laisse plus de possibilités. Et Oui, je l'avantage, suis c'est que moi, d'accord. je vais pouvoir facilement terminer le truand avec ma lunette. Et du coup, le truand ou le braconnier? Le Le braconnier, le braconnier, ouais. braconnier. Est-ce que j'ai d'autres trucs ovation? Oui, c'est ça. Tous les alliés engagés gagnent riposte, mais c'est pas pertinent. Ça, Il va non. crever, non, ça sert à rien. Pas engagé, du coup. Ouais. Ouais, bah tu pourras aller soigner Galden. Du coup, s'il te Ouais, plaît, du Damned, coup, viens. il faut qu'il puisse y aller Ouais. aussi. Mais là, je peux pas. Il faudrait qu'Ardarine Je vais bouge. bouger. Non, mais je vais bouger avec ma lunette. Ah oui, si tu bouges Malvinette, ouais, il y a des chances. Ah, je suis con, j'aurais dû me caler ailleurs. Tu Abruti. pouvais peut-être mettre deux coups, ouais. Oh là 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 là. Ah, la frappe déstabilisante, c'est. Ah, c'est naze, pourquoi je. Il est pas mort? Un Et PV! non, un PV. Ah oui, c'était pas le courroux. Ok. Voilà. Maintenant, ça c'est fait. Et du coup. Fais gaffe de pas entraver mon mouvement. Hein. Ouais, je sais. Et puis surtout, il faut que je fasse gaffe de bien rester en dehors de la zone du. Après, cela dit, si tu bouges pas, Si, c'est si. bon. Non, non, mais il faut que Faut que tu je me tires parce que le déplace. maraudeur va taper, ouais. Mais Le si tu viens vers là, tu nous aides à finir le braconnier. Et tu bouges pas, il y a largement la place de passer en dessous. J'espère. Bah vu les zones, oui. Ouais, c'est bon. Non, Ouais, pas. c'est bon. C'est C'est bon, bon, ouais, c'est bon. ça C'est passe. bon. Hop. Fin de tour. Et puis après, tu pourras revenir mettre quelques coups d'épée. Bah, tu Alors. tape sur le maraudeur à la limite. Le Oui, je braconnier, tape le quoi. braconnier, Ouais, oui, mais je tape le un coup braconnier. de lance avant de partir, ouais. Comme ça.
Ah, voilà. Ça va, si on le finit, on libère Ardarine, on libère Quack. Ça peut être pas mal. Et en plus, ça supporte Gelden. Très bien. Merci, mon ami. Mais je t'en prie. Et hop, ça sert à rien que je recule, on est d'accord là de Non, puis il pas. reste collé, tu vas gagner un point donc. Oui, mais même en reculant, je resterai collé à Par toi, mais. contre, est-ce que ça vaut le coup de mettre un mur de lance? Il y a le truand qui va jouer, qui va certainement passer par en haut. Sur le Hop, on connaît. ça peut bloquer le maraudeur. Ouais, mais j'arrive pas à Lequel? voir quand est-ce qu'il joue. On va probablement jouer avant lui quand même. Ah oui, c'est Il y a des possible. chances que Malvinette vienne se mettre là, par exemple, pour mettre un Ouais, coup d'épée, quoi. c'est pas faux. Ok. Bon, je laisse tomber. Allez. Hop. Cadeau. Bim et Bim. bim. Oh là là, Quack va peut-être pouvoir le terminer. Vas-y, Quack, fais-nous rêver. Ah, du coup, bah, est-ce que ça vaut peut-être pas le coup que je le fasse? Ça va peut-être mieux que je libère Gaelden, non? Ah, alors dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, je joue avec Malvinette. Je défonce le braconnier. Pourquoi je peux pas lui faire un Sinon, coup je de. lâche avec Malice, hein, si vous voulez vous libérer. Hein. Oui, c'est vrai Mais qu'il peu va me importe, flécher, hein, mais je je m'en réfléchis fous, hein. parce que c'est le truand qui va jouer. Il va encore faire sa double stack de poison là. Mais le vrai DPS, ça va être le maraudeur. C'est lui qui va profiter du poison pour faire des coups critiques comme un gros sac et faire 20 de dégâts à chaque coup, quoi. Alors sinon. Sinon, avec Malvinette, moi je colle une attaque double sur les deux. Et puis je me recule. Et Damned jouera juste avant le maraudeur pour lui caler le mur de lance. Oui, on peut faire ça, ouais. En plus, si tu le mets dans ton mur de lance, même s'il recule pour faire le tour, il va se faire Là, choper. moi j'ai Il le se fait buff de avoiner, ouais. fureur. Ouais, en plus, il y a le buff de Et par contre, je fureur. sais pas pourquoi je peux pas attaquer le braconnier. Ah! Ah, attends, je peux le braconnier, je peux l'assommer. Est-ce qu'on veut se capturer un braconnier? Oui, pourquoi pas. Alors attends, Allez. qu'est-ce qu'il a comme trait? On peut savoir? Non, on peut pas savoir. Chance de réussite 71%. Hop. Ah, mais merde, c'est une attaque normale, je crois. Ça remplace l'attaque de base. Ah, quel con! Dommage. Et en plus, j'ai perdu mon truc de fureur. Merde. Bon, on l'a capturé. C'est toujours ça. C'est joli. Ça fait quand même un ennemi de moins, hein. C'est déjà Et des ça, hein. sous. Ça fait un ennemi de moins. Du coup, est-ce que je déstabilise le truand? Bah il a pas de garde, le maraudeur a de la garde éventuellement, mais tu vas l'engager si tu fais ça. Ouais. Non bah à la rigueur tu peux rester derrière, hein. C'est pas... Je vais pas utiliser de points et puis. Et à la limite recule-toi un peu ouais, pour que Quack puisse éventuellement passer par en dessous. Tac. Ok, bah je sais pas quoi vous dire là. Du coup, Bah il alors, faut est-ce que mettre le Damned... signe qui chope le truand. Alors, je chope le truand qui va taper ou le truand qui est au contact de Gaelden? Le truand qui va taper, et derrière ça, Quack chope le truand qui est sur Gelden. Ouais, ça me paraît jouable. Je vais me mettre sur le côté, comme ça, si Malice veut faire un tir. Je peux même me mettre derrière. Ah, je vais me mettre derrière, comme ça, Malice pourra l'avoiner. Si on a envie. Totalement. Sans être obligé de faire des trucs bizarres. Totalement possible. La protection, là, toujours. Si je mets déviation, je réduis les dégâts de la prochaine attaque de 70%. Vous pensez que ça fait 100% avec la... Non, à mon avis, c'est Ça du m'étonnerait, multiplicatif. ouais. Non, j'ai rien d'autre à faire. Il va me mettre son petit coup de dague. Mais au moins, il peut pas lancer normalement, maintenant qu'il est engagé. Non, non, il ne peut pas. Ok, et donc là. Alors, la couac. Je vais chercher le truand. Et on devrait avoir largement le temps de choper le maraudeur dans un mur de lance. Ouais. Et là, du coup, si je libère. Alors, toi, tu peux passer. Tu peux... Ouais, on peut pas voir ton mouvement, Galen. Je sais pas si tu pourras passer derrière Damned pour mettre un coup. Je sans doute, je sais pas, on verra. Sinon, je me mets en bas direct. Alors, sauf que fais gaffe parce qu'il faut aussi que le maraudeur ait besoin de se déplacer Ouais. pour que les murs de lance soient effectifs. Ouais, Je peux, si je me fous ici, alors attends, c'est quoi sa zone? mais ça va me gêner, moi, non, si tu te mets là. Normalement, tu peux faire le mur de lance à travers moi. Ouais, tu peux, ouais. Genre, tu te Ouais. mettrais ici et puis ça te fait un arc de cercle comme ça, quoi. Ouais, mais du coup, il va peut-être pouvoir venir comme ça.
Non, mais je pense pas qu'il soit suffisamment cliage et gère ça. Non, il fait pas de contournement normalement. Ok, par contre là je peux plus passer. Hein. Mais Ah, il y a un caillou, c'est vrai? Ouais. C'est pas grave, tu le fais à travers Quack. Je sais pas si t'auras cette portée. Tu peux taper le truand. Moi de toute façon je Non, bouge j'aurais avec les pas, loups. j'ai pas assez de portée. Non. Ah merde. Ah ouais, putain, je pensais qu'il y avait Sinon, la faudra place que des je fasse le petits. tour. Bah, sinon, faudra que je fasse le tour. Je me colle au truand là. Non mais moi je vais bouger avec Et là, Gaiden. oui. Tu pourrais te mettre Ah oui, ailleurs. Gelden va bouger, ouais, on est trois encore à pouvoir jouer. Alors attends, déjà je vais l'engager Allez-y, lui. Hop, comme ça, on allez-y. va pas oublier de le faire. Ok. Et je peux regagner, je peux redonner protection pendant 2 tours. Ça, je peux le faire autant de fois par combat que je veux. Putain, c'est fort. Hein. Hop, voilà, moi je me déplace, je tape. Tu mets les grosses fessées. Vous aimez les grosses fessées? Oui. Allez, Allez. avoine, avoine. Allez, une petite fureur. Bim. Même pas de QTE, la déception dans la voix. Une petite fureur. Tu veux goûter la fureur de ma fessée? Tu l'as à moitié dit comme ça. Je sais, c'est un peu intentionnel. Attention de pas te mettre trop près pour pas l'engager. Non, je vais surtout me coller à toi. Voilà. Tu Comme ça fait le point. Un coup de lance, tu peux l'attaques. même m'enlever Oui, mon poison, je pense. Ouais. Alors Tout fait, attends, on assez de points. fait là, là, on fait ça, Attention à faire voilà. le premier soin avant le mur de lance. Hein. Ouais. Bah, le mur de lance à la fin, parce qu'une fois qu'il est fait. C'est ça. Voilà. Et voilà. Et là, normalement, il doit pas nous toucher. Hein. Oui. Voilà. Alors peut-être qu'avec les quelques centimètres qu'il a pu avancer, ça suffit. Hop. Ah, Ah si, ouais. l'enfoiré. Ouais, bon bah, on peut pas toujours tout faire. Hein. Bon, non, c'est bon, on fait ce qu'on. Non, parce Bah, qu'il était vachement prêt aussi. il était très ouais. près, ouais. Malice va le terminer là. Oh oui. Viens là, toi. Hop. J'espère. Oui. Et bim. Et il Galvanisation. s'enfuit même pas, hein, la vache. Non. Ouais, Arda, Arda, Arda. ouh, il y a une de ces Bon portées. bah fais-toi plaisir avec le. Bah tu es sûr que tu finis même pas avec le City quand Eh même, si, je fais si. 12 à 15 de dégâts d'un coup là, je sais pas pourquoi. Ah bah oui, avec la Ah, galvanisation. Galvanisation. Allez bim. Bien. Tiens. Dans la Et gorge. j'ai laissé l'armure intacte, vous remarquerez. Bon, très bien Suis pas passé ce comme ces combat. bourrins qui traversent les corps des ennemis, quoi. Ouh, pas là, il y a du loot. La vache. Hey, on a un petit niveau. Ouais. Alors, on a Un un couteau couteau de de lancer lancer. empoisonné. Ouh, c'est bon ça. Une armure intermédiaire, une armure Ouais, une légère, petite brosse armure à cheveux sympa, ouais. formidable, de la thune. Je te laisse prendre les crochets et je te laisse prendre les carcasses. La carcasse, je m'en occupe, ouais. Je garde les babioles comme on avait dit. Et voilà. On va réparer les armures. Le sanglier, c'était son dernier combat. On a capturé Wilwin qui est sanguinaire, 3% de critique en plus. Par contre, il vient pas avec son loot. Et c'est un pêcheur novice. Ouais. Ouais, en gros, il a rien, quoi. Par contre, il a 3 niveaux. Ouais, il est niveau 3 avec 3% de coup critique, c'est pas mal comme trait, hein. Alors, la question, c'est est-ce qu'on va le revendre? Ou est-ce qu'on s'en sert? Bah écoute, on verra si on a l'occasion de repasser à la prison comment il nous aime. Ok, on commence à être en dèche de matériaux par contre. Alors je vais faire le niveau de Lessing si ça vous embête pas. Je vous laisse fouiller le truc à la limite pendant ce temps-là. Pourcentage de critique sur Lessing, non c'est nul ça. Hop, ça c'est pour moi. Allez. Je fais un plan de carrière. Hein. Et donc, Gelden aussi, il est en train de faire son plan de carrière là. Et ici, ce sera niveau Eh, 5. c'est une patron. Sans casser un crochet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, le Ici, lait, je récupère. c'est que pour toi. Ouais, c'est que de la bouffe, quoi. Très bien. Alors, au niveau des armures, Autre. il y a un autre truc à crocheter. Mais dis donc. Bon, attends, je vais attendre parce que du coup, ça me ferme à chaque fois le truc. C'est beau. Notre voleur à l'œuvre. Il bosse bien, il bosse bien. Plus aucun crochet restant. Et c'est vrai que c'est dommage que. Ah! Oh, une armure. Oh, elle est belle. Ouh, la Au moins deux. segmentade officier d'armure lourde là. Wow. Portée plus 1.
code plus 1 pour Malice. Ouais. Et un rapport militaire qui donne une connaissance plus 1. Bah oui. Bon. Mais oui. Ouais, acheter des livres, Damned, il aime bien. Tu veux le lire, Damned? Je le mets dans l'inventaire si tu veux. Ah, par contre, le porté plus 1 dit adieu au mouvement plus 1. Ah! Ouais, mais à la limite, il vaut mieux qu'elle ait. Ouais, porté plus 1, moi je préfère. Ah, je sais pas, si elle met des flèches dans les fesses, il vaut mieux qu'elle puisse bien se placer en vrai. Bah. Après, elle a toujours le truc qui claque un point à la course, hein, qui permet de faire oui, un deuxième c'est vrai. Non, mais je pense que la portée, c'est pas mal. Hein. Mais c'est marrant, bah, portée. Est-ce que, genre, sur une arme normale, ça y a une portée? Non, y a pas de bah portée. Non. Non, ça... Mêlée, ouais, ah, c'est ouais, mêlée, y a pas de portée, ouais. Par contre, je pense que, genre, la lance, y a une portée. La lance? Non. Regarde... Non. Y a une allonge? Ah oui, c'est une allonge, pas une... Oh putain, ça pique l'armure lourde, par contre, mouvement moins 2, là. Eh oui. Ah bah oui, armure lourde quoi. Y a pas un truc qui permet d'annuler les malus de mouvement sur les armures? Si, je crois qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait forger là, dans le... Oh, il est classe le signe, là. 20 dieux. 20 dieux, l'eau. Compagnons doivent se reposer. Y a un petit... 3%, ouais. 14 de garde, armure 28, ouais. Tout petit, hein. Je vous mets des petites armures légères dans l'inventaire si vous voulez. Bon, plus d'un, 23 sans patoche. Vache. Ben, je pense que ça ouais, pourrait aider Malvinette et Gaelden à peut-être tanker un peu mieux. Malvinette, elle a déjà 14 avec 11 de garde. On peut voir où est-ce qu'on en et est du prochain. Tabard dehors la loi, pas mal. Sachant qu'il y en a une autre que je garde pour l'instant pour Quack. Parce qu'il faut qu'il soit niveau 3 pour la mettre, mais. Le tabar à la limite est mieux. Bah, elle avait déjà un tabar Malice, mais il est mieux celui-là, je crois, non? Ah oui. Voilà, ça change pas du tout le skin, mais c'est mieux, beaucoup mieux. Plus d'armure, plus de critique. Bon, l'armure. Ouais, Malice normalement. C'est ça. Bah, le critique plus 1. Ouais, bah, le critique plus 1, il est à plus 1, il reste utile, ouais. Moi, c'est j'ai ça. Un. Plus de. Franchement, la veste de maître. Sur Gaelden, c'est pas intéressant. Et sur Malvinette, je sais pas si de l'armure en plus, c'est mieux que de la garde. T'as combien de garde? J'ai 11 de garde et 14 d'armure actuellement, plus 5% de critique. L'armure, elle donne ça? Ah, l'armure ouais, actuelle. Ah oui, elle est pas mal, ouais. Et là, plus 2 de mouvement, plus 23 d'armure. Ouais, c'est peut-être pas pertinent. Peut-être c'est bien. Ça serait bien pour un truand ou un truc comme ça, un mec au couteau. Ouais, bah peut-être que Will Win si on le recrute. Alors la loi niveau 4. Ouais, la limite. Bon, regarde ça dans l'inventaire, hein, c'est pas perdu de toute façon. Ouais. Bon, tu le lis ce rapport militaire, Ned? Il veut pas le dire. J'ai mis le livre ouais, dans l'inventaire pour que tu puisses le lire, ah, moi bien livre. Ah, les livres, c'est ton truc. Ah mais fou, je vous avais tellement pas calculé, les gars. Alors on a vu ça. Lire rapport militaire. Voilà, c'est tout, ça en fait. Ça fait rien, ça te donne juste un point. Non, non, c'était juste en rapport avec certains livres que certains auraient acheté à un moment. Pardon, je vous ai pas entendu du tout quand vous avez fait mention de ça. Du coup, on a gagné un point. Je vois pas du tout de quoi vous parlez, mais enfin, des trucs qui je vous laisse à vos délires. Hein. Alors, du coup, est-ce qu'on pourrait pas. C'était quoi déjà, effectivement? Il y avait boucle de rechange, je suis dessus, là, annule le malus de mouvement provenant des armures. Ah, oui, c'est ça, c'était dans le bricoleur. Ah ouais. Il faut 3 cuirs, 3 graisses et 3 matériaux bruts. Ouf. Mais j'avoue que là, j'ai perdu 4 de mouvement hein, avec mon armure en lourdin, hein, donc. Je pense que je vais aller dessus. Ouais. On en a du cuir? Non, comme d'hab. Ah, pas du tout? Genre, même pas dans ton inventaire, t'en as pas du tout? Non. Ah, là, non, non, mais le cuir, c'est le matériau qu'il faut acheter en boucle, quoi. Eh, mais en plus, bah, on va le prendre quand même, ça sera fait. Mais on n'a même pas gagné de cuir avec notre sanglier qui est mort, quoi. Nope. Scandale. Les mecs, même pas, ils écorchent leur propre sanglier, quoi. Bon, et puis, il faut qu'on fasse dodo, là. Yep.
Ah oui, dormir. Mais on va arrêter l'épisode avant de faire un dodo. Non. Parce qu'il est bien assez long. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Un épisode, un combat. Un épisode, un combat. Ouais, bah de toute façon, ça va être ça avec Quartez. Hein. Surtout à 3, là, faut qu'on discute de la stratégie, ça prend du temps. Mais bon, hein, c'est le principe du multi. Hein, donc, bah, n'hésitez pas à nous dire hein, dans les commentaires si ça vous va pas, si ça vous emmerde, si vous trouvez que c'est trop long. On pourra éventuellement faire des cuts sur les combats, ce genre de choses. Ou si ça vous plaît de nous entendre discuter des possibilités tactiques. Dans tous les cas, merci de nous avoir regardé jusqu'ici. Et puis bon, merci on va se dire vous. À très vite pour la suite. Ciao, ciao et tout le monde. Bisous, bye. Oh.